Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le mercredi 8 septembre, il est à peu près 17h30. Il fait très chaud aujourd'hui, très 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 chaud. Et du coup, je vais vous faire un petit vlog aujourd'hui pour vous montrer un petit peu la déco, puisqu'on vient d'avoir une nouvelle idée et que du coup, avec mon chéri, on va faire simplement en fait un nouveau décor. Voilà, il va y avoir des petites modifications dans le décor et du coup, il va me créer quelque chose en palette. Donc du coup, vu qu'on m'avait demandé un petit peu si je pouvais montrer en vidéo un petit peu comment on faisait. Donc je vais essayer de filmer ça. Je suis pas sûre de bien pouvoir le filmer, mais je vais essayer de filmer ça au mieux pour que vous voyez un petit peu du coup comment ça fonctionne. Donc voilà. Donc du coup, je vais vous montrer ça et puis comme ça vous verrez en même temps les différentes étapes et puis la finalité du décor vu que je l'avais pas complètement terminé. Donc comme ça, vous allez voir ça tout de suite. J'espère que ça va vous plaire. Je continue, hein. À tout de suite pour la suite. Donc je vous montre, à la base, c'est une palette comme ça. Puis, du coup, mon chéri a désossé, en fait, tout simplement. Et vous voyez, du coup, derrière, vous récupérez les lattes. Donc là, du coup, il va finir d'enlever toutes les petites vis, en fait, qui sont là avec le pied de biche. Et du coup, après, ça fait des lattes comme ça, qui vont être après poncées. Je vais vous montrer un petit peu au fur et à mesure. Mais du coup, il y a un petit peu de boulot, mais ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Donc voilà. Du coup là pour faire un petit peu plus propre on va les poncer comme ça va faire un meilleur effet, il n'y aura pas trop de décharges, de choses comme ça et après du coup en plus soit la peinture soit la lasure ça va mieux adhérer et ça va faire un aspect plus propre quoi. Donc du coup il y a tout ça, bon là il y a juste les deux pieds là en fait et toutes les planches en fait elles sont là, voilà. Donc ça fait quand même des belles planches hein, comme quoi il n'y a pas besoin d'aller chercher du bois, d'aller en acheter, alors que voilà, vous pouvez récupérer des palettes gratuitement et faire quand même pas mal de petites choses assez sympas.
du coup, on se retrouve dans la chambre. Donc, on a tout fini de poncer, comme vous avez vu. Donc là, en fait, on a juste rajouté 2 pieds de palette. On a enlevé, du coup, les gros blocs carrés pour la partie du haut. Et en fait, on va venir tout simplement coffrer, en fait, là, vous voyez, avec les lattes. Et on va faire un rajout, vu qu'on veut que ça aille jusqu'en haut. Voilà. Donc après, ça va me permettre, du coup, d'avoir, en fait, un décor et qu'il ne soit pas fixé au mur. Parce que comme on est locataire, on ne fait pas de trou ni rien. Mais du coup, là, ça va permettre d'avoir, en fait, une surface plane qu'on va sûrement, du coup, l'azurer pour faire un effet. Et du coup, je pourrais rajouter des petites choses. Voilà, on va voir si on va faire sûrement des petits systèmes d'étagères ou de choses comme ça. Donc du coup, là, c'est comme ça. Je vais vous montrer au fur et à mesure ce que ça donne. En ce temps-là, comme vous le savez, ceux qui sont sur ma chaîne, oh, bah dis donc, c'est dur la vie. Voilà, les deux acolytes, nos deux commis sont toujours là avec nous pour nous soutenir dans tous les chantiers. Ils sont pas d'une grande aide, on va dire, mais au moins, ils permettent d'être là et de scruter et d'être les inspecteurs des travaux finis. Voilà, donc maintenant, on peut attaquer. Voilà, pour vous montrer un petit peu, du coup, bah là, on est en train de visser, en fait, les lattes qu'il a enlevées de la palette. Et en fait, on est en train de les visser tout simplement sur les pieds, du coup, ce qui permet d'avoir un appui et du coup de faire un mur, en fait. Voilà. Et ça peut être pas mal, ça peut aussi vous servir, du coup, si vous voulez faire un bureau, un truc comme ça. Parce qu'après, du coup, on va faire des systèmes d'étagères, en fait, avec des planches. Et après, voilà, moi je le sais, je m'en sers comme décor, mais après ça peut servir aussi comme bureau, vous pouvez mettre les livres. Voilà, il y a quand même plein de possibilités par rapport à ça. Moi je m'en sers pour décor, mais c'est vrai que l'idée est vraiment, vraiment, vraiment intéressante et pour pas cher en fait. Vous achetez juste un support, par exemple, bah là moi j'ai acheté le petit meuble là chez But. J'ai acheté du coup, c'est une planche qu'on a trouvée chez Bricomarché. Je sais pas, ça vaut entre 5 et 9, ouais, 5 et 9 euros les planches. Vous choisissez à peu près ce que vous voulez comme planche et après en fait vous faites à la découpe et du coup en fait ça vous fait une planche comme ça. Là ça fait 1,20 m du coup au niveau de la longueur et après il vous reste toujours un bout de planche donc je crois que c'est 1,50 € la découpe donc ça voilà. Pour pas grand chose vous pouvez quand même faire un truc vachement intéressant et après moi ça me sert de décor encore une fois mais ça peut servir de bureau ou de plein de choses. Voilà le rendu du coup. Donc vous voyez ça fait quand même un sacré beau truc hein. Donc le M de Mylène, je vais le mettre en hauteur du coup. Et puis voilà. Donc on va continuer. Je vais l'azurer, mettre des petites décos et ça va faire plutôt sympa. Je pense qu'il y a des petites choses qui vont changer du coup. Je vais voir ça au fur et à mesure, mais le rendu est vraiment très très sympa. Donc vous voyez, après les pieds, si on les voit en bas, moi ça ne me dérange pas, je m'en fiche. C'est vraiment pour, voilà, pour le décor dans cette partie-là et ça va me permettre vraiment du coup de pouvoir accrocher, mettre des petites étagères, mettre des petits trucs. Ça fait vraiment un effet sympa et pour rien, hein. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, surtout. Bon, on a pas mal avancé, il est plus de 19 h. Du coup, en fait, j'ai changé mes meubles. Voilà, j'ai remis les deux petits qui étaient là. Du coup, ça cache les pieds, donc comme ça se voit pas du tout. On a, du coup, l'azuré, la partie. Je suis en train de voir, du coup, pour rechanger un peu les décos. Et mon chéri a mis des petites étagères, vous voyez. Donc, comme ça va me permettre de poser des petits trucs. Je sais pas encore comment je vais faire la déco. Donc bah, je vous redirai ça plus tard. Donc du coup là après on a l'espace coiffeuse qui est comme ça. Et là du coup il y a les deux meubles. Donc c'est plutôt pas mal. Franchement c'est plutôt pas mal. On a bien travaillé. Et puis bah là c'est regarder un peu la déco. Je casse tout, tout va bien. Et puis voilà. Donc je pense que je vous reprendrai demain plutôt pour finir. Parce que du coup là. Là, on va faire un coup de ménage et puis les décos, je ne sais pas trop encore comment je vais faire. Donc, je vous dirai ça demain à la lumière du jour. Ça sera mieux et comme ça, au moins, ça sera plus. Bah, ça sera sûrement terminé demain. Donc, on verra bien. Donc, je vous dis à demain, à tout de suite pour vous. Voilà le résultat du coup. Donc, je sais pas quelle heure il est, mais voilà. Vraiment très beau. Donc, du coup, c'est comme ça. Bon là, l'écran, c'est pas forcément voyant, mais franchement, c'est trop beau, j'adore. Donc j'espère que bah, ça va vous plaire. En tout cas, pour les vidéos, je vais essayer de me mettre dans un autre angle. Vous voyez bien. Ouh, je laisse pas tout. Voilà, ça fait comme ça. Avec pas grand-chose, on arrive à faire des super choses. Je vais me rapprocher pour vous montrer un petit peu. Je sais pas si vous allez très bien voir. Donc là, du coup, j'ai la petite boule avec la petite chouette. Là, la petite fleur de coton.
Là, du coup, il y a les deux petites chouettes comme ça. Là, il y a le M. Donc là, il y a des petites décos, du coup. Là, c'est juste une petite lampe lumineuse, du coup, que j'ai mis dans le petit bocal où j'avais mes petites pampas. On a rajouté des fausses feuilles d'automne avec du moustique, tout simplement. On a mis une petite guirlande lumineuse. On a mis le M, du coup, là. Et puis là, du coup, il y a la petite lanterne avec la tasse chat. Et puis voilà pour les petites décos. Donc, voilà, voilou. Donc, on va passer un bon coup d'aspirateur. Ah, c'est fou. Un bon coup d'aspirateur. Et puis, bah, on aura bien mérité une bonne douche. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.